Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo eh bien, pour vous présenter les nouveautés pour Forza. Donc ce n'est pas les super light de face que je vais vous proposer aujourd'hui, mais tout simplement ceux qui m'avaient été demandés, les super light de rétroviseur, à savoir ceux-ci. Voilà, si vous vous souvenez sur ma chaîne, j'en avais parlé, j'ai eu beaucoup de contacts de personnes qui étaient intéressées par ce produit. Donc apparemment c'est finalisé, hein, voilà, donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je vous le dis de suite, hein, voilà, parce que bon. C'est facile à faire, mais c'est tellement chiant qu'il vaut mieux l'acheter tout fait en fait. Voilà, donc c'est vendu le rétroviseur complet. Hein, il y a juste à poser la partie interne du rétroviseur et de faire les connectiques. Et vous avez effectivement les clignotants qui ressortent par le rétroviseur face à vous. Ça permet de voir effectivement que vos clignotants ne sont pas arrêtés. Hein, mais ça permet aussi d'être visible par les automobilistes si vous êtes à leur hauteur. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, je valide, même si je trouve cela un peu cher. Après, nous allons voir un autre produit qui est un slider. Alors ça, c'est un slider qui a été fait ici. Mais je vous avouerai que vu le tarif et vu le résultat, pour moi, c'est un avis personnel, ça vaut rien. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de faire tourner votre ressort, voilà, d'embrayage. Effectivement, ça va réduire les vibrations. Ça, c'est un fait, puisque c'est prévu pour cela. Hein. Voilà. Mais ça, c'est un peu comme inventer l'eau en poudre, quoi. Ça sert absolument à rien. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a déjà plus de 30 ans qu'il y a quelqu'un qui s'est penché sur le problème, et ce quelqu'un, c'est mal aussi, tout simplement. Donc, vu le tarif, alors je ne connais plus le tarif de ça, je crois que c'est pas donné, hein. Voilà, je crois que c'est 70 euros, un truc dans ce genre-là. Voilà, j'ai pas trop regardé, en fait, parce que ça m'intéresse pas. Mais ça donne absolument rien pour une utilisation normale. Je vais vous dire pourquoi, pour la simple et bonne raison que en fait ça va réduire effectivement les vibrations, mais votre véhicule va prendre énormément de tours au démarrage, mais aussi dans la phase d'accélération jusqu'au moment où le ressort va être suffisamment comprimé pour ne plus bouger. Donc augmentation de la consommation très importante. Voilà. Pour ma part, si je devais faire un choix, je prendrais les sliders jaunes qui sont vendus sur le site Mal aussi et qui, de mémoire, coûtent 7 euros, je crois. Et même ces sliders-là, ils sont vendus avec l'embrayage Mal aussi pour Forza 350. Voilà, vous pourrez regarder, hein, j'ai pas fait la capture d'écran. Voilà, mais pour ma part, c'est plus judicieux. Voilà, le slider Mal aussi qui existe depuis 30 ans. C'est du maîtrisé, et puis en termes d'investissement, c'est moindre. Voilà, donc faites attention à vous, à vos sous, tout ça. Mes revues, une fois de plus, à tout le monde. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.